Bonjour et bienvenue sur JNZ Insport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. RDC, infrastructure, centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale et de l'Institut national des arts. Les travaux réalisés à 90%, constat fait par Maître Freddy Yodi Chambaud, DG de la PCSC à l'issue de la visite effectuée le mercredi 26 juin 2024, lit-on sur la page X de la PCSC. Le bonheur ne tombe pas à l'improviste et les rêves ne se réaliseront pas d'eux-mêmes. Nous devons être terre à terre et travailler dur. Xi Jinping. Le stade de Boende dans la province de la Chuapa sera inauguré le 30 juin 2024. Dans la province de la Chuapa, le stade de Boende, une œuvre de Guillo Ndomboyo, l'actuel ministre de l'Aménagement du Territoire, ouvrira ses portes au public ce 30 juin 2024. Une installation sportive couvrant une surface de 6600 m² avec une capacité d'accueil de 8000 spectateurs. À cet effet, le même jour de la fête nationale et au même endroit, un match opposera les anciens léopards de la RDC à l'équipe de football de la Chuapa. Boende est le chef-lieu de la province de la Chuapa en République démocratique du Congo. La localité possède un port et un aéroport qui lui permettent des liaisons régulières vers Kinshasa via Mbandaka. Boende a le statut d'une ville. Elle est subdivisée en deux communes urbaines, Boende et Chuapa. Elle est située sur la rivière Chuapa, à l'est de Mbandaka et sur la route nationale 8 à 1400 km au nord-est de la capitale Kinshasa. Boende est un lieu qui a partiellement contribué à la richesse personnelle du roi Léopold II grâce à son caoutchouc de l'Eveawachi, au café, aux palmeraies, au bois, au cacao, au fer et au cuivre. La ville nourrissait sa population grâce à la pêche artisanale, à l'agriculture, à l'élevage et à la chasse. Elle nourrissait aussi la population de Mbandaka et celle de Kinshasa avec ses poissons frais séchés des rivières Chuapa et Lomela.
soignes tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Proverbe 24, 27. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ Insport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.